trajectory. Non, regarde, en gros, on n'a pas le choix, regarde. Oh, mais il travaille, le petit boug, là. Ah, ça va, je pensais que ça te choquerait, le fait que j'agence comme ça. Bah, on voit plus juste où et quoi, mais si on retient... Ouais, en fait, j'ai gardé la même logique. En gros, tout ce qui est à gauche, c'est titane. Ouais, après, écoute, ça à chaque va... fois, deux casiers de chaque, c'est ça. Ouais, ça dépend, même peut-être trois, ça dépend. En gros, ça rejoint après le magnésium ici. Tu vois. Ok, ouais. Après... Ah, mais du coup, le magnésium, si c'est plein, tu veux le mettre où après, ça le problème. Bah là, le regarde. Mais bon. Magnésium, une fois que c'est plein, tu le mets dans ce deuxième casier. Ah oui, d'accord, ok, non, putain, j'avais le même, j'avais pas vu. D'accord, ah, d'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Je croyais qu'il y en avait que un, enfin que deux, mais il y en a trois en fait. D'accord, t'es fort en maths, toi. Et puis pareil, ouais, pour, ouais. pour le fer, tu vois, c'est deux le coffres. Fer et l'alu qui est là. Voilà. Ok. De toute façon, je pense que bientôt on ira. Eh oui. À la grosse plateforme plate là-bas sur le rocher, se faire une vraie base. On va être trop énorme. Bien. Ah ouais, comme. Comme voilà. Mon compte en banque. Voilà. Du coup, ouais, j'ai un peu farmé les... Haricots, mais ça va. Non, mais attends, il y a des haricots qui sont prêts, là. Oui, attends, mais tout à fait, tout à fait. Mais ton intonation était très ambiguë. Courge plus 40. Et les haricots, c'est où, par contre? Là. T'avais pas mis... Ah ouais, mais il a tout. Oh là là, il y a même une porte ici. Ah oui, j'ai ajouté une porte ici, oui, c'est vrai. Oh, mais bah, c'est homme. Plus pratique, c'est plus pratique, en vrai. Bah ici, tu sais ce qu'on pourrait se faire, ici? Dis-moi, une piscine. Je sais pas encore, mais on va se faire un petit truc, un petit coin cosy, tu vois. Parce que c'est l'arrière, c'est un peu, tu sais. D'accord. C'est... Je m'attendais à ce que tu me sortes un truc de ouf, et en fait, t'as quand même pas d'idée. Ouais. Non, parce qu'en fait, j'ai dit ça, mais sans avoir l'idée. Mais écoute, oui, on mais va. Mais ici, on peut se faire un petit truc sympa, tu vois. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est bref. Clair. C'est clair. Donc. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Bah, c'est tout. En fait, j'ai surtout fait ça, et puis en attendant, j'ai pu récupérer pas mal de ressources, quoi, tu vois. C'est déjà très très bien. Oh. Oh. Générateur d'algues T1, mon pote. Mais bon, y a pas de lac encore, donc... Ah oui, y a pas de lac, ah oui, tout on à est fait. À, on est à presque 17%, alors qu'on s'était quitté, on était même pas à 10, je crois, on était à 7 ou 8. Oh, ah ouais, ça a bien, pas bien augmenté, hein. Ah si, on était à 7 ou 8, je crois, pour cent. Ah oui, quand même, oui, parce d'accord. Que j'avais encore regardé, là, on est à 16. Tout à fait. Alors... qu'il a bien joué, le salaud. Non, pas tant que ça. Non, t'as raison, c'est bien pas ce tant, que tu fais. Pas tant que ça. Par contre, Ludo... C'est moi. J'ai retrouvé les coordonnées. Ah putain, c'est vrai, on vole vite. Ah bon? Ah oui. Tu sais, j'avais... Ah, ton en fait, petit bout de papier. Oui, j'avais mes bouts de papier avec des coordonnées qu'on avait trouvées. Ah bah, écoute, quand on range les mouchoirs et tout ça, bah, on retrouve des choses. Bah, c'était derrière le sopalin, ça collait un peu, mais c'est bon. Ah bah... c'est parfait, alors... Eh bah, tu sais quoi? Dis-moi. Bah, on y va, let's go. Alors, à mon avis, on risque de se faire avoir. Alors, tu sais quoi? On prend ça sur nous quoi qu'il arrive, hein, la clé des gardiens. Ah oui, bah, je la prends. Voilà, prends-la. Ensuite, j'ai on à prend... manger, à boire. Parfait, très bien. J'ai tout ce qu'il faut. Eh ben, alors, ça, c'est nickel. Pas moi. Et puis, des trucs de respiration, hein. Ouais, j'en ai trois sur moi. Mais monsieur, mais vous êtes fous, vous avez tout ce qu'il faut. En fait, je sais pas, j'avais déjà tout sur moi, donc... Bon, mais c'est plutôt pas je mal. Je pense que c'était avant de déco, je me suis mis... D'accord. Bien. Alors, j'ai trois coordonnées, mais à mon avis, on a déjà visité deux ou trois d'entre elles. T'as pas noté ce que c'était? Bah, on savait pas ce que c'était. Non, mais il y en a une, ça doit être déjà le biome champignon, là, en bas, tu sais, qu'on est déjà allé voir. Ah, tu penses? Alors, bon... Bah, viens, on y retourne, hein, maintenant, c'est vite fait, maintenant, avec le jetpack. Bah non, mais attends, mais on va aller aux coordonnées que j'indique. Ok, vas-y, peut-être. Je te suis. Alors là, il faut qu'on aille en moins 580, 85... C'est quoi toute cette poussière, là? Attends. La poussière. Ah, mais c'est les... T'es le jetpack? Mais non! Mais y avait pas ça avant! Si, bien sûr que si. Mec, j'ai jamais eu ça. Mais vous fumez, monsieur. J'ai jamais eu cet effet de poussière quand on vole en jetpack. Ah bon? Ah, je te promets. Ah bon? J'ai jamais eu ça. Ah bon? Alors, là, j'ai l'impression que la coordonnée qu'on va, c'est la première coordonnée qu'on avait vue. Dans le cratère, tu sais. Je pense. Ah. Donc on va, hop, je mets de côté. Hop, ça dégage. Allez. Nouvelle coordonnée, moins 464, moins 40, 97. C'est par là-bas. Ah mais t'es déjà là-bas? Ouais, c'est droit devant là, ouais. Mais mon salaud. Bah en fait j'ai peur que les coordonnées ça nous emmène juste vers les vaisseaux, hein. Mais c'est pas ça en vrai, ouais. Mais y'en a forcément une qui va mener vers... Oh attends.
Attends. C'est quoi ces panneaux? Il y a des panneaux solaires partout. Oui, il y a des panneaux solaires partout. Il n'y a pas de panneaux. Attends. Bon, je t'ai perdu là. Ben reviens. Ah, t'es là. J'ai un problème. Moins 460. Voilà. Et 97. Bah ouais, ça va être là où on connaît déjà quoi, à tous les coups. Très déçu. Très déçu, Ludo. Attends, je t'ai pas suivi par contre. Mais tu casses la tête. T'es où? En fait, j'étais en train de regarder les coordonnées. Pour d'accord. Je suis dans la grande plaine. Hein. Ah, ok, bah j'ai. Direction le point rose. Eh, regarde. T'es où? Attends. Regarde derrière toi. Ouais. De là où on était avant. Ouais. Attends, t'es où? Est-ce que tu vas me voir? Je t'attends, t'inquiète. Bah non, je te vois pas, du coup, ça, ma blague marchera pas. Mais gros, je suis. Je suis au. Tu sais. Non, mais c'est pas grave, hein. Mais non, mais viens. Mais gros, t'es où? Je suis en moins 528. 547. Attends, c'est Minecraft. Je te jure. Moins 528, 547. Voilà, je te vois, frérot. À droite. Yes! Moi non. Oui, là. Voilà. Ouais, ma blague aurait très bien marché, mais du coup, bah, c'est raté. Mais c'est quoi ta vanne? J'étais là-bas sur le rocher et je voulais faire le roi lion. Voilà. Oh là là. Mais vas-y, grogne-moi dessus. Grrr. Ah, voilà. Ah oui, c'est un petit. Je suis encore un petit lionceau. Ah oui. Ah oui. Mais du coup, cette clé des gardiens, elle nous sert à quoi si toutes les coordonnées c'est des vaisseaux? Bah, c'est ça qui est un petit peu déroutant. Mais attends, on sait pas, on va déjà aller aux coordonnées que. Tu me suis j'étais encore? J'étais reperdu, non, non t'es mais là-bas. Tu casses les couilles. Non, non, j'ai fait une halte. Halte F4. Voilà. Oh la vanne. J'ai fait une halte oxygène. D'accord. Ah la vanne, saut 2012. T'es trop à gueulerie, attends, man. On est allé trop loin. Attends, ah bah... je suis trop con. Ok. Mais c'est par là. Excuse-moi. Oh mais attends, du coup il y a peut-être un truc caché dans ces rochers là. C'est pour ça ouais. Il y a moyen. Oh. Oh. Y a rien. Alors mon. Oh si. T'as trouvé un truc? Non non non. Il y avait une drôle de formation de rocheuse mais non tout va bien. D'accord. C'est vrai le biome magma. Il y a peut-être un nouveau truc. On l'a jamais exploré ce biome. Tu rigoles ou quoi? Enfin pas trop quoi. Si. Si. Bon, ah ok, ouais, bon les coordonnées. Non mais les... je veux dire. Eh hey, gros. C'est le vaisseau? Non les coordonnées c'est là. Je suis tombé. Bon ben je suis en bas. Les coordonnées je crois que c'est la grotte. Justement la grotte qu'on avait explorée. Ah. Bon bah demi-tour. Oh mais c'est... Oh je suis passé à travers la map. Incroyable. Oui pareil je t'avoue que... Bon. Là on s'est... Bah là on s'est perdu. Là... Bah là je suis à la grotte en fait. Bah voilà, bah c'est les coordonnées en fait, hein. La grotte dans laquelle... C'est la grotte avec le bug où tu tombes dans la map et tu t'en sors plus jamais. Oui, 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 tout à fait. Je sais même plus comment on y accède. Il y a un habitacle au fond, parfait, je peux pouvoir respirer. Ok, bon. Mais du coup, je ressors de l'autre côté, hein. Bah ouais, écoute, direction prochaine coordonnée, c'est la dernière que j'ai. 964, alors attends, 964 c'est par là-bas. Y a pas de moins devant? Non, pas là. Ah oui, du coup je ressors de l'album champignon. Bah attends, du coup je vais voir si c'est peut-être ça en fait. Hein. Mais oui, c'est celle-là. Non, cherche pas, c'est celle-là, mec. Oui, oui, mais tout à fait. Et là maintenant, il faut retourner direction le point bleu. Tu vas me tuer. Donc direction la base de nouveau. Et il y a une autre coordonnée là-bas. Mais à tous les coups, ça va être, je sais pas, moi, les chutes de sable ou. Ok, là je suis au gros arbre où on a découvert le premier truc. Et les coordonnées c'est moins 464, moins 40, 97. Tu rigoles? C'est pile non, les non. coordonnées. C'est pile les coordonnées. Bah c'est là où on a trouvé le premier hôtel des gardiens là. D'accord. Voilà, donc ça sert à rien. Putain mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bon je pense que là la mais prochaine on a quand même raté un truc hein. Ah bon? Bah ouais c'est bizarre quand même je trouve. Franchement Donc, tu penses que la dernière coordonnée là c'est la suite? Oh bah là à mon avis la dernière coordonnée que j'ai on n'y est jamais allé. Là je suis... Ok bah vas-y. Non mais je suis à l'entrée sûr. De la grotte champignon tu sais. Là on avait trouvé la première grotte champignon. Ouais moi je suis plus loin, va direction le point bleu là, je suis au niveau du biome bah du d'avant quoi. Ok. Je suis près de la base en fait. Ich komm. Yo komm. Ah ich komm. Alors. Pour les noms alsaciens ou les noms allemands c'est bien. Salut Pissom.
Attends. Ah, voilà, c'est bon. Alors, 964, toujours bon. 1744, toujours bon. Ouais, mec, ça va... mec, 100% c'est les chutes de sable. Bah là, je suis à la station de lancement, là. À la station de lancement. Je continue. Enfin, à la base, quoi. Ah, t'es déjà à la base? Ouais, là, j'y suis. Ah, là. Bah attends, j'arrive, je suis derrière, en fait. Je crois que t'étais derrière, moi. Ah, non, non. Mais moi, j'ai coupé à travers rocher, en fait. Ah, toi, t'es un zinzin, toi. J'ai pas cherché, tu sais. T'es un ouf, toi, t'es un dingue. Tu sais, moi, je suis un gudin, tu sais. Ah, ouais, bah, je passe aussi par les rochers, regarde. Hop, tac, tac, tac. Incroyable. Oh, c'est superbe. En quoi, ça fait du bien de voir du vert. C'est vrai. Parce que là. Attends, juste attends, un truc. Quelques bières. Hop, voilà. Ouais. Il faut quoi pour lancer une fusée pour avoir de l'uranium? Parce que ça, c'est, je pense que c'est un truc qu'il vous faudra. Vas-y, ben monte tout de suite, regarde. Active les astéroïdes d'uranium, gros. Oh, bah, en parlant du loup. Oh, réacteur nucléaire, magnifique. Attends, mec, tu sais qu'à tout moment, alors on va pas le faire maintenant, on le fera après. À tout moment, on envoie plein de fusées pour avoir de l'uranium. Hein. Et il te faut quoi? Il faut quoi? Moteur de fusée, super alliage, cobalt. Allez, salut. On en a trois des moteurs. Ah ouais, mais gros, c'est incroyable. Hein. Super alliage, on a deux lignes. Ah ouais, ok, bah nickel, gars, vas-y, on fera ça après alors. Ah ouais, on est superbe. Attends, par contre, j'ai juste récupéré plein de loot. Vas-y, vite toi. Comme d'habitude. Du coup, pour le réacteur niveau 2, il faut quoi? Il faut 3 barres d'uranium, un super alliage et une poudre explosive. Ouais, il faut tout x2 quoi, presque. Ok. Ok. D'accord, ok. Ok. Ah merde. D'accord, ok, ouais. Tu te fous ouais, un peu de moi là? Ok, ouais. Non, attends. Eh bien, salut à toutes et à tous, Slam Company. J'ai pas fait d'intro. Salut. Bon, je prends de quoi faire une balise. Comme ça, je vais pouvoir te baliser le fion. Mais. Allez, vas-y, avec grand plaisir. Tout va très bien. Tout va très bien. Mais attends, mais j'ai récupéré ça où? J'ai un quatrième moteur de fusée, gros. Mais... Je sais pas à quel moment j'ai récupéré. Incroyable. Attends, moi je fais un petit truc. Vas-y. Oh non, on peut pas. Oh non. Non, mais dis pas que c'est... Tu voulais faire quoi? Pourquoi là, je peux... Oh, un peu upgrade, un peu faire une petite déco, mais on peut pas. Je peux uniquement... T'es triste? Bah, c'est un jeu de merde, voilà. Mais non. Attends, je rigole. Allez, viens, viens. Oui, mais t'es où? Bah, on y va. Allez, je te suis. Donc, ouais, bah, ça, mec, c'est les chutes de sable à 100%. Hein. Ouais, mais les coordonnées, ça montre un truc, normalement. Ouais, t'as raison. En vrai, t'as raison. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas capté. Parce que les chutes de sable, il n'y a pas des coordonnées pour ça. Sinon, il y aurait des coordonnées pour chaque biome ou pour chaque truc, quoi. Oui. Il y a peut-être un truc caché, tu sais, au genre au sommet ou. Ah, mais oui, au sommet! Il n'y a pas un truc au-dessus? Ah! Au sommet. Attends, tu parles de quelle chute de sable? Celle à droite là? Les ou... grandes, ouais, je pense. Ou les toutes grandes? Les toutes grandes? Ah, les toutes grandes, ok, ouais. Je pense qu'il y a un truc au-dessus en vrai. Attends. Attends, j'ai un problème. Tu vas trop vite, attends, je te perds là, tu vas trop vite. Attends, tu fais trop de poussière, mon gars. Attends, si on va par là, il se passe quoi là? Je comprends plus rien là. Ouais, regarde là à gauche, regarde tout le sable qui vient. Y a pas un biome qu'on n'est pas allé voir là-bas derrière? Oui, bah on va y aller. Mais par contre, allez. coordonnées, attends, c'est pas bon. 1744, c'est par là-bas. 964. Mais what? Attends, suis-moi encore. Je te suis. Je comprends rien du tout. Les coordonnées m'emmènent précisément. Ah, mais c'est pas la grotte là dans le sable? Non. Non, attention, on se rapproche des coordonnées. Non, mais ça va être le vaisseau, hein. Ah bah oui, là on tourne vers le vaisseau, ouais. C'est forcément le vaisseau. Bon, désolé les amis pour ce petit moment très peu palpitant, mais c'est juste pour clarifier les coordonnées parce que... Non, c'est pas le vaisseau. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On a tout fait dans ce bio de toute façon. Là, il y a une grotte là-bas en face, on allait la voir ou pas? Laquelle? Là, droit devant là. Ouais, c'est celle qui mène à. Bah, au vaisseau. Ah, c'est celle qui traverse, ok. Bon, là, ça me fâche, hein. Ça me fâche, Ludo, je comprends pas. Il faut qu'on aille Il faut qu'on aille en 964. Qui est donc, le premier, c'est 964. Vas-y, on va une fois là. Vas-y, go. 964, c'est parti, c'est par là-bas. Ouais, et 1744. Bah, c'est bon, c'est droit devant là. Ok. Bah, celui du milieu, on s'en fout. Celui du milieu, c'est la hauteur. Oui, bah, je sais.
Ah oui, non, mais cherche pas, c'est le gros vaisseau devant nous là. C'est le gros vaisseau. C'est le gros vaisseau, mais oui, c'est ça. Ok, on est bon, à 700 et dans 200 il y a le vaisseau quoi. Bon bah les coordonnées ne servent à rien. Allez, merci à tous. Bon bah c'est quoi, viens. On a raté quelque chose hein. Oh, un coffre. Attends, moi je suis dans l'habitacle. Ok, et eh bah écoute, tu remonteras les grandes chutes de sable en haut là. Et on ira là où tu voulais. Ouais, je reviens. Yes, je t'attends. Ouais, dans le biome où il y a le courant d'air là avec tout le sable qui sort. Ouais, les couilles en air. Ouais, voilà. Ok. Par où je passe moi là? Ok, comme tu dis. Voilà, je monte les chutes de sable. Yes. Moi j'y suis en haut. Hop là, je monte et je suis en haut. Ok. Alors maintenant, où es-tu? On devrait se voir, je suis au panneau solaire moi. Oui, j'ai vu ton pseudo. Ah parfait. Je suis là. Allez, allons voir là-bas au fond ce qu'il y a. Mais si, on y était. C'est un cul-de-sac, c'est le vaisseau. Ah bon? Mais gros, on y était. Ah putain. Mais c'est pas un cul-de-sac, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose. Eh ben... Bah tu peux le voir sur ta carte, hein. Putain, mais oui, on a une carte. Et à mon c'est avis, un cul-de-sac. Oh putain. Eh ben écoute, on va dézoomer un peu. Non mais là, je suis stupéfait, hein. C'est un cul... Un beau cul, mais un cul-de-sac. Oui. Quand je te dis qu'on a fouillé toute la carte. Bah c'est pas possible mec, on a raté tellement de trucs. Oui, le lore, il manque le lore. Il manque le lore. Non mais même, je me rappelle de plein de trucs qu'on n'a pas encore vu. Bah... Enfin je me rappelle, j'ai des souvenirs, des choses qu'on n'a pas vues. À mon avis, quand l'eau arrivera, on aura plus de souvenirs. Ouais, c'est vrai. C'est... Bah mec, viens, on rentre à la base, on fait de l'uranium, on farm et puis on se régale et on fait monter l'indice de Terra. Hein. Ouais, parce que là, c'est vrai que ça monte pas vite, quoi. Là, on envoie des fusées et ça régale. Hein. Ouais. Allez. Et je sais pas... On a 3 réacteurs. Ouais, les 3 réacteurs. Je sais pas si t'as vu, c'est super intéressant, il y a des commentaires. Dans des vaisseaux, t'as des... Tu sais, les trucs de fusion nucléaire. Oui. Et il y en a en commentaire, ils ont dit, ça se peut... Ça, en les activant et tout, par la suite, ça ouvrirait des portes. Oh! T'imagines? Ah! Soit ça ouvre des portes, soit ça nous fait une source d'énergie dans un vaisseau, dans une épave, tu sais, qui. Ouais, enfin, aussi, ouais, okay. Pourquoi pas en vrai, ça ouais. Ça peut être un. Mais ça ouvre des portes, ah, donc il y aurait des portes cachées. Et lui, parce que dans le gros vaisseau, tu sais, le tout gros vaisseau là, dans le désert. Ouais. Tu te rappelles, en haut, au capitaine, il y avait un escalier. Tout à fait. Et il y avait dans ce vaisseau un truc de fusion. Ouais. Donc peut-être que. Ouais. Vas-y, bah tu lances des fusées, tu t'occupes de ça. Vas-y, je vais lancer des fusées. Par contre, faudra réceptionner. Ouais, continuer. Ouais, t'inquiète. Faut pas qu'on lance. Pour l'instant, je vais continuer à faire oxygène, chaleur, pression, biomasse. Ah ouais, réchauffe-moi. Qu'est-ce que c'est cool. Alors. Oh, des barres d'iridium. Ah ouais, on a ce qu'il faut. Ah, mais attends, c'est vrai, on a pas beaucoup de. On a que 85 de dispo. Ouais, ça. Il fallait quoi? J'ai oublié super alliage, moteur de fusée, et c'était quoi que j'avais dit? Pour faire quoi nouveau, je sais plus. Bah, envoyer les fusées. Alliage, moteur de fusée, et. Ouais, on a le même cerveau de teubé. Ah, je vais voir. Titane? Non, c'est pas ça? Non. C'était, eh bien, le cobalt. Cobalt, bah voilà. Et un non, truc, mais je savais, mais... juste à savoir qu'à chaque fusée que je vais envoyer, ça va multiplier la chaleur par 1000%. Hein. Ah bah la chaleur, en plus là je rajoute des chauffages. En fait, tu envoies... Là on va envoyer qu'on va avoir chaud. Bah là mon pote. On va pouvoir se foutre à poil. Oh bah là mon pote, attends, regardons quand même juste rapidement de la chaleur, on est à 2,14. Ah, retour, je vais te mettre 3 chauffages. Donc, parfait. Parfait. 2,17. De 18, ça monte vite. Parfait. Par contre, est-ce que t'es quand même prêt à réceptionner l'uranium? Ouais, vas-y, bah tu lances, hein, ça prend un petit temps avant que ça vienne. Hein. Ah oui. Fais monter la sauce. C'est parti, la fusée décolle! Ah putain, attends, je veux voir ça. Waouh, donc ça, c'est la fusée d'uranium. Oh, regarde, je l'ai dévié! Regarde! Arrête! Non! Et si ça marche? Regarde! T'es sûr? Ouais, c'est trop rigolo. Ouais, bah, t'as fait un trou dans le sol là. C'est excellent. Et du coup, elle est où là? Elle est où? Je sais pas, mais regarde, ça arrive. Oh, elle est là! Regarde! Quoi? Regarde là! À droite, elle part! J'en vois pas.
Oh, elle est partie en pied, en toupie, mec. Oh, j'ai trouvé le seum. Ok. Ah, ça. Par contre, pourquoi il s'est... Non, mais il est parti où celui-là? Je sais pas, mais faut que ça vienne sur nous, les gars. Pourquoi ça part là-bas? Non. Mais c'est la fusée, mec, tu l'as fait dévier. Non, non, regarde. Ah, si, si. Mais non. Mais non, regarde, c'est bon, regarde. C'est aléatoire. Ah, c'est aléatoire. Attends, mais je vais quand même aller voir les deux là-bas parce que. Oui, oui, en vrai, je ouais. Je te laisse prendre ici, je vais aller chercher les deux là-bas. Excellent. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. T'as vu, c'est trop rigolo ce jeu. Ah, ouais, par contre, c'est cheaté. Hein. L'uranium, là, on en a à foison. Ah, par contre, elle s'est éclatée ouf. Vas-y, vas-y, prends, prends, prends. Ah, ouais. Il en faut plein. Ah! Je traverse la map. Hop. Ah ouais, mais elle s'éclate loin les météorites. Ah bah ça mon pote. Oh, attends, j'ai plus de place. Et elle s'éclate dans les rochers, donc je peux pas les prendre. Oh, mais c'est mais t'as fait, vu, ça. Elles sont pas attirées par la fusée. Waouh. C'est clairement aléatoire. Mec. Oh. Waouh. Ok, je viens de me spoiler un truc là. C'est vrai. Bon, y a littéralement un lac devant moi. Oh, trop bien. Tu sais, au spawn de départ, avant ouais. Qu'on pouvait choisir le spawn, ouais, 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 bah, ouais. Il y a de l'eau partout. C'est vrai. Mais quand je dis partout, c'est. Ah, c'est trop bien. C'est ça, c'est que ça monte super vite par contre. Hein. Ah oui, ça monte. La sauce elle monte vite. On va déjà pouvoir mettre des trucs d'algues et tout. Hein. Ouais. Non, là franchement, je pense que cet épisode, niveau productivité, on peut pas faire mieux. Allez, je peux pas récupérer. Bon, bah j'en ai eu que 5. Ah ouais, mais moi j'en ai tout plein, mais parce je peux pas, c'est sous la roche. Les autres se sont crachés sous la roche, et bah j'ai pas accès du coup, parce que bah, c'est sous la roche quoi. Eh oui. Tout simplement. Mais moi je peux pas, il y a des débris qui m'empêchent de récupérer. Y'a peut pas là. Y'a peut pas. Alors attends, hop hop hop. Ça va très vite me saouler ça. Mais non, abandonne pas comme ça. J'espère juste que ça dépop pas. Ouais, ça je sais pas par contre. Logiquement non, mais... Et alors pour information, à tout moment j'en renvoie 3 hein, encore là. Bah vas-y, relance-en tout de suite. Hein. Comme bah. Ça on se met 2-3 réacteurs. Ah mais c'est clair. Mais et on est tranquille. Je veux juste récupérer encore ce que je peux là. Et après je renvoie direct. Alors là il y a le noyau. Mais je pense que tu l'as déjà pris. Ouais. Le noyau. Ouais, je pense que t'as déjà pris parce qu'il y a plus rien là. T'as déjà dû te prendre tout ça. Ok. Ah. Mais ouais, non, mais moi je peux pas récupérer, je te jure, je peux pas récupérer. Y'a les. Y'a peut pas! Y'a les débris de roche. Pourquoi t'as la première base qu'on avait fait? Ouais, ouais, bien sûr. Oui. Que je vois du vert là-bas, mais je sais pas si t'as aussi. Ok, ouais. C'est ça, je peux pas récupérer. Essaye. Ah oui, t'es là. Non, je vais essayer. Je vais retourner là-bas pour voir, mais je. En haut ou en bas? En haut? En haut, ouais. Tu me diras. Ah, lequel? Lequel? Mais y'en a plus. Ah, tu vois pas les débris? Bah, tu parles du gros noyau vert là au milieu? Ouais! Mais ça on peut pas prendre! Ah bon? C'est le cœur de la météorite, c'est uniquement décoratif. Ah bon? C'est pour dire que. Mais oui, y'en a partout, regarde là-bas y'en a, là y'en a, là mais y'en a. Oui, bah, y'en a bah, c'est trop nul, bon bah vas-y, je renvoie. À chaque direct. Météorite, t'as un gros cœur vert comme ça, mais tu peux rien en faire. Ok. Bon bah, je renvoie, vas-y. Enfin, j'ai jamais su quoi faire donc. Ok. Ça se mine pas, ça. T'as jamais su quoi faire avec les femmes? Quoi? Oh, ça, si, t'inquiète. je me débrouille. Oh, on est pouf. Allez, t'es prête? J'en renvoie une. Hop, hop, hop. Est-ce que je la fais dévier? Bien sûr que oui. Oh, ça tremble. Ouais. Je l'ai dévié. Mais... Putain. C'est trop rigolo, regarde, elle part dans le ciel. Allez. Quand même. Non mais c'est ouf ça. C'est trop rigolo. Ouais mais j'espère que ça va pas... Mais oui, regarde, ça se crash ici. En plein sur nous. Regarde, en plein dans ta face. Paf. Pif paf pof. Pif 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 paf pouf. Incroyable. Putain, météorite elle se crash, nous on fonce dessus comme des... Un jour, quand elle va rajouter les dégâts, ça, on va m'en rigoler. Ouais. Oh mince, ça part de l'autre côté. Je vois pas où ça se crash là. Ça, ouais, c'est parti de l'autre côté, j'y vais. Vas-y. Bon, j'en récupère 5. Ça vient sur toi. Ok, y'en a un là-bas. Et y'en a une ici. Ok.
Wesh. Attends, wesh. Ça a planté derrière moi là. Ouais, je le prends, c'est bon. Ok. Ah, les 5, ils ont roulé vers moi. Allez hop. Putain, c'est l'apocalypse. Les 5, pas les 5, attention. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Ah, mec, je suis full inventaire de d'uranium là. Ah, c'est trop bon. Cool. Ah, c'est trop bien. Donc, il y en a 5 par météorite. Sympa. C'est ça ? Ok, d'accord. Par contre, bah là, on va être bien niveau énergie là. Il y en a qui ont disparu, hein, ça m'énerve. Bah, j'en ai pas trouvé avant. Il y en a deux que j'ai pas trouvé avant. Putain. Ils se sont crachés soit dans les rochers, dans les falaises, tu sais, qui sont pas physiques, du coup, bah, tu les vois pas, à part si tu rentres dedans. Ouais. Soit ils sont quelque part. On a pas regardé. Ah, c'est bon, j'ai trouvé tous les spots. Dernière météorite nice. Là-bas. Donc là, je vais avoir 15 uranium. Ça va vite en vrai. 5, 10, 15, 20. J'en ai 25 sur moi. Wouah, let's go. Oh non, y'a plus rien. Oh, j'ai trop le seum. Bon, déjà là, on va pouvoir se faire une bonne. Ah, bah tu sais, à l'arrière là, là où je voulais, mettre un truc cosy, tu sais, un peu. Ouais. On va foutre tous les réacteurs nucléaires. Ah ouais, c'est trop cosy quoi, ouais, grave de ouf. Ouais, ouais, bon, t'as compris. Va dire ça à EDF. Mais non, mais c'est parce que moi c'est caché, tu vois, genre. Eh oui. Bah oui, tout à fait, absolument. Oui, bah oui. Donc pour un T2, il faut 3 barres d'uranium. Hop, hop. Voilà. Ça va, t'as assez? Ok, ouais. Mais okay. Y'a encore du rab en plus, tu vois. Plus les tiennes, on pourra en faire un deuxième à la limite. Ah ouais, clairement, j'arrive. Super alliage et pour de la poudre. Qu'est-ce qu'il faut nous pour de la poudre? Du soufre et de l'iridium. Allez. Alors le soufre, tu l'as rangé où? Là. C'est bien rangé normalement. Hein. Ouais, mais c'est le temps que je me souvienne où c'était. Ah bah c'est cool. Ah, ça fait un... C'est vrai, ça fait un bruit stylé le biolab quand tu fais un truc. Ah ouais? Ouais, ça fait. Ok, bon bah le réacteur T2, attention, je vais le poser. On va voir. Hop. Alors est-ce qu'il prend de la place? Je pense. Ah oui. À ce point là. Ok, bon bah ça va pas être ici hein. Ah ouais. Bon alors si je fais... Bon, en fait ça prend la place de... De 4 petits quoi. Ok. Donc faut que je fasse ça, regarde, je vais faire... Ça. Ça. Mais gros, j'avais fait exprès un accès. Bon, vas-y. Ouais, mais t'inquiète. Tu sais, c'est pour le beau jeu, quoi. Vas-y, fais péter. Ok, tac. Ah oui, en effet, ouais. 331, ok. Eh, bah vivement. Et donc, qu'on maintenant, s'installe, hein, on a 356 de dispo. Bon, bah là, on est bien. Ouais. Non, mais on, franchement... Un seul. Dans notre nouvelle base, on va être trop bien, là. Mec. Ouais. T'as vu ou pas, le 1 réacteur T2 il produit plus que les 3 que les T1. 3, ouais, tout à fait, absolument. Donc je serais chaud. En fait, si on enlève les 3 T1, on récupère 3 barres d'iradium, on se fait un deuxième T2. Let's go. Et donc on a beaucoup plus qu'avec les 3 petits. Vas-y, je vais te faire une poudre explosive et let's go. Yes. Ah, tu l'uranium. Oh, mais on peut encore en faire un alors. Mais largement, vas-y, fais donc. Donne-moi ce qu'il faut après là, les poudres expo et puis. Yep. Et puis ça part quoi. Et on a encore 2 fusées en rab pour l'uranium. Ah ouais, mais c'est bon ça. Je vais faire plusieurs poudres explosives, tu sais quoi. Hop, voilà, ouais. J'en fais 3. Tiens, t'en as déjà une là. Et il te faut ça aussi. Merci. Donc là, t'as le T2 normalement. Ouais, tout à fait. Et je le place. Alors attends, hop, je le place. Ah oui. T'as le fer pour... Putain, je peux pas faire ce que je veux faire. J'ai le fer, oui, t'inquiète. Bah, mais là à côté de l'autre, hein, regarde, viens. Non, mais c'est bon, regarde. Comme ça, ils sont cachés, tu vois. Bah, en fait, je remets là où on avait le T1, quoi. Ah ouais. Ah ah. Allez. T'as de la place? Oh, t'inquiète, je me débrouille. Ah oui, bah là, tu peux en foutre deux même. Non, un seul, ça marche pas, deux. Ah oui, putain, mais ils sont. J'avais pas. Ah ouais, d'accord. Et ouais, mon gars. Et là, normalement, niveau énergie. Ah bah là, on doit être à plus de 500 ou 600, je crois. Oh, t'exagères un peu là. Hein? Ah bah oui, parce qu'on a enlevé. Oui, ok. Bah top, tu peux encore en faire un du coup, non? Bah vas-y, fais. Moi j'ai plus d'uranium, moi. Je le fais. Yes. Ça régale. Et après, tu me montes le lac et on fait un pique-nique. Il nous reste deux d'uranium. Ok.
Mais bon, on a 3 réacteurs nucléaires, T2. Ah, okay, ah, de la pluie! Trop bien. Du coup, l'eau, je le fais derrière, comme ça. Ouais. On est bang. Yes. Ah, merde, c'est... il manque les 3 bouteilles d'eau, attends. Ah, mais je vais les prendre. Ici, faut, ouais. Ça. Plus là, il pleut, alors ça doit se remplir à une vitesse. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Mais je suis pas sûr que ça marche sur deux plateformes. Hein. Ah si, pardon. Ok. GG. Et là, là on doit être pas mal. Là on est à 700. Ah oui, bon, bah. Là je pense que. On est tranquille pour un moment. Alors, générateur d'algues, t'as vu ce qu'il faut? Aubergine par et granulés de bioplastique. Je fais direct. Vas-y, vas-y. Par contre, on est quand même des belles grosses merdes, hein, t'as vu? Pourquoi? On terraforme une planète et on fout cache des réacteurs nucléaires qui produisent des déchets radioactifs, c'est... Bah ouais, bah c'est pas le monde des bisous, oh ça. Là, 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 là. C'est Elon Musk qui nous a envoyé, hein. Moi j'ai plus rien. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Ah. Putain, y'a un nouveau... Bon bah là, la bouffe en vrai, mec... Ah bah là, mais gros, on est ça superbe. Ça plus vite que ce qu'on consomme, tu vois. Sauf qu'on a plus d'aubergines, voilà, parce qu'on a arrêté les plantations d'aubergines, on est des connards. Oh, et voilà. Putain, merde. Et voilà, je peux pas faire mais ce que non. Je voulais faire. Allez, regarde. Putain. Hop, hop. Et y a des... on a gardé des trucs en haut, non? Oui, bah oui, regarde, on va en faire combien? On va en faire 4, ça va suffire. Une courge. Tac. Haricot, si là c'est une courge. Je suis perdu, y'a trop d'étages. Hop, voilà, c'est bon. Bah oui, bah voilà, bah voilà. Je voulais le faire maintenant, moi. Elle bon, a pas bah, on se retrouve dans 10 minutes, les amis, à tout de suite. Check autour de toi, si tu me dis si tu vois un nouveau truc que je viens de poser. Ouais, oui, je vois la balise jaune, oui. Voilà. Bah, cette balise jaune, c'est un extracteur de minerai dans le biome aluminium. Oh. Voilà. Comme ça, on a de l'alu. D'accord. Voilà. Très sympa. Très, très, très sympa. Allez, 60%. Purée, j'ai eu le temps de me... Bon, moi, en attendant, je vais remettre des VGTube T3 aussi, là. Hein. Ah, bah ouais, parce que je viens de trouver une graine dorée à 600%. Ah bah mets là. Parfait. Hop, voilà, putain, superbe. On est connecté. Ouais. Je voulais en crafter un et tu me dis je vais en crafter un. Putain, oh, c'est incroyable. J'ai envie de te pépon, là. Mais pépon-moi. Allez. Bon. Attends, on va se faire un de ces champs, là. Oh oui. Oh oui. Didier Deschamps. You touch my tralala. Ouais, bah... Donc là, oxygène, on est à combien? On est à... Ah, 1900. Oh, putain. C'est excellent, ça, c'est excellent. T'as vu, on tombe pas en rade d'énergie, c'est incroyable. 72, 73, ça va. Allez, encore 3-4 minutes et c'est bon. Ouais, pour ah le. Ah bah là, le on est à combien? Encore 660. Ah, on est bien. On est bien. On est bien. On est bien. Qu'est-ce que tu voulais faire de nouveau, toi? Ah oui, un truc d'algues, hein, c'est vrai. Bah, c'est ça, un générateur d'algues. Hein. Ah, on a le biodôme aussi à se faire. Le biodôme arrive à 12, regarde. À 12? Ah, on est à 7,80, il arrive à 12. Incroyable. Ah, mais toi, c'est le T2. Oui, moi, je parle du T1. Ah, parce qu'on a le T1 qui est débloqué? Ah, bah oui, depuis longtemps. Mais t'es sérieux, gros? Ouais, regarde. Ah, merde, il faut un liremat, titane, cobalt, alu et alliage. Ok, bah c'est pas grave, on attend que le T2 arrive, de toute façon. Oui, on fera cache le T2, ouais. Regarde, en plus, ça monte tout seul grâce à nos herbes. Et quand il y aura les algues, là, après, là? C'est quoi du coup 12 et là on est quasiment à 8 donc c'est la chaleur. Ouah la chaleur, on est à 7300. Oh mais c'est les fusées ça. Mais oui. T'as pas une fusée qui fait la pression? Attends je vais voir. Bah vas-y check. Parce que la pression c'est galère à 300 là. Ah ben. C'est vrai que c'est fois 1000 par fusée quoi. Mais ouais. C'est complètement dingue. C'est insane. C'est insane, c'est incroyable. Alors attends. Attraction d'astéroïdes, multiplication de chaleur, pression. C'est le champ magnétique. Donc c'est les fusées d'iridium. Mec, il faut un moteur, 2 super alliages et 3 silicium. Vas-y hein, vas-y. Et ça augmente plus. Tu ramènes ce qu'il faut? Alors un moteur. Ouais. Un moteur, 2 super alliages. Et après il faut 3 silicium. Ok, j'arrive, je suis là. Fais dévier la fusée surtout hein. Vas-y, je vais essayer. Comment on fait? On saute juste dessus? Ouais, en gros, dès qu'elle va s'apprêter à décoller, tu lui sautes dessus grâce au jetpack, c'est simple. Et jusqu'à ce qu'elle décolle, tu la pousses. Ah! 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 Non! Non! Bah allez, ramasse! Mais je croyais que t'allais la... Ramasse! Oui, oui. Je croyais que t'allais la crafter, en fait. Ah! J'étais pas prêt à ce que tu... Pardon, ce que je te jette à la figure.
Oh putain, c'est la, oui, c'est la bonne que j'ai fait. 3. Ah non, tu vois, c'est maintenant ou tu vas attendre Vas-y, vas-y, fais péter. Vas-y, vas-y. Donc là, je... mais comment on monte dessus, saute, là. Saute, 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 saute. Et avec le jetpack, tu voles face, 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 face. Oui, 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 oui. Ouais. Vas-y, je monte avec. Oui, regarde. Oh non. Bon ben, ah ben, reste là. On meurt si on va derrière. Eh, hey, il fait un peu chaud. Regarde. J'ai un peu chaud. Pourquoi? Est-ce qu'on peut la démonter? Parce que c'est le réacteur, tu sais, ici. C'est là où le feu, il sort. Moi, je suis juste dessus. Ah oui, on a pas du tout la même... Moi, la fusée, elle est partie en couille ailleurs. Hein. Ah non, moi, elle est juste là. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, elle est juste là, mec. Elle bouge pas. Excellent. Et je pense qu'on va la voir. Bon, du coup, l'iridium, on ramasse ou pas? Ouais, on va pas si ramasser déjà. Aussi. Si, déjà. J'ai pas vu où ça s'est crashé. Ah, mais ça crache dans le cratère. Putain, on voit rien avec la brume. Après de l'iridium, mec, on a une grotte remplie d'iridium, j'ai envie de dire. Oui, non, mais c'est clair, mais bon, écoute, si déjà on peut en récupérer. Hein. Mais ah, quel âge. Ah, il y en a plus que 5 là par météorite, putain. Allez, ça m'a saoulé, j'arrête d'en récupérer. J'en ai ramassé une, là, ça me saoule aussi. De toute façon, on va les ramasser quand on va se balader, je pense, ou quand on va. Mais oui, t'as vu, c'est plus satisfaisant de ramasser l'uranium que l'iridium. Ouais. Bizarre. Oh, on en a moins besoin, quoi. Ouais. Oh quoi? Oh, je l'ai vu passer à travers la map. La météorite. Ah. Elle a glitch dans le sol, elle est partie. Elle est partie. Excellent. Bon, bah, j'ai quasiment un inventaire full. Donc là, t'as fait monter quoi, la pression? La pression. Normalement, on était à 300, donc là, on doit être à 1300, je pense. Quelque chose comme ça. La pression? Ouais. On est à 3123. Oh mais. Quoi? Je pense bah que oui, 300 fois 1000, bah oui, c'est 3000. Bah voilà, voilà. Non, je suis juste con. C'est excellent, mec. Mais là, ça doit monter à une vitesse de fou, là. C'est juste excellent. Oh non, je vais mourir. Non, 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 non. Allez. Ah, oh, waouh. Ah ouais, en fait, bah oui, c'est x 1000. Bah 1000. Oui, donc tu rajoutes 3-0. Tu rajoutes 3-0, c'est ça, c'est le principe. Quand tu fais x 1000, en gros, il y a le nombre de voilà, 0. Voilà, apprends 3. Les tables avec professeur Ludovic. Ludovic, Kevic, oh, putain, je me sens con. Mais non, il faut pas. Allez, bientôt les aubergines. Et on va pouvoir faire les algues. Bon, j'ai fait une petite barre parce que voilà. Oui. Donc en fait c'est comme ça que je me suis dit, c'est bizarre, on a déjà tellement de foreuses, tellement de trucs et ça augmente pas vite. Mais en fait c'est parce que moi dans ma survie solo j'avais envoyé peut-être une cinquantaine de fusées, tu vois. Et voilà. Genre dans la pression mec j'étais à genre près des 100 000 par seconde, tu vois. Dis-toi là c'était pas des MTI, c'était des giga TI, tu vois, genre... Gigabit. Enfin voilà quoi, c'était... Excellent. C'est quoi nouveau le 1? Ah bah c'est ça. Et le 2 c'est la biomasse. Ah non. Ah oui, la fusée biomasse, ce sera plus tard je crois. C'est la fusée qui, tu sais, qui lâche des petits spores et ça fait des petites lucioles. Là. Des spores. Il va y avoir du spore. La fusée d'épandage de graines. À 650 MTI, on est à 21. OK. Épandage de graines. Tu vois ça où là? Ah là, 93, ah oui. C'est bon. Prochain tic, tu l'as ton truc. T'as tes aubergines. Au prochain tic, t'es vraiment sur Minecraft, toi. On avait fait le sac à dos T5, oui. Oui. Et le réservoir d'oxygène T5, on l'a débloqué ou pas? Je me rappelle plus. Non, on a que le 4 pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est à 93%, tu me dis au prochain tic? Oui, donc le prochain stade de croissance, ce sera 100%, quoi. Bah non. Après, à 93, c'est 94. Oui mais non, oui 94, mais tu sais ça fait par 20, tu vois, ou 20, par 20 par 30 je crois. Mais non. Tu vois regarde 94 et là ça a passé à 100, tu vois. Oh. Mais si parce que quand tu le plantes c'est à 0, puis ça monte à 22, puis ça monte à 30 quelque chose. Mais c'est puis que à 50 raison. Quelque chose. Mais c'est qu'il a raison le con. Bah oui. Non mais je te croyais pas du tout. Ah si. Bah non. Ah bah si. Ah bah oui. Allez alors écoute je vais. Alors attends. Allez. Allez. Allez, c'est parti. J'ai tout ce qu'il faut, il me manque juste encore le magnésium et on y va et on va mettre des algues. Magnésium, c'est Rosanna. Pardon. Oh là là. On y va. Récupérateur d'eau de lac. Oui, pardon. Oui, attends, pardon. J'ai plus de flotte. On peut. Ça, attends, je passe juste. Hop. Ah, mais t'as tout récupéré. Si là, il y en a 3, c'est bon. Allez, vas-y, viens, go. On viens monte par où, par là. Oui. Bien joué, mon champion.
Donc oui, un Bali jaune, c'est... Oui. N'oublie pas. Ne m'oublie pas. Ah non, t'auras une très bonne... Ah 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 bah oui, d'accord. Ah, ah ouais, bon. Le lac. Ah oui, c'est pas le même niveau, là. T'as vu ça? Beau. Oh là 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 là. Oh. C'est joli. Oh non, mais là... Ça fait du bien de voir du bleu. Et dire qu'on va être installé. Alors, pas ici, en fait, on va... Non, on verra même, peut-être pas. Non, ça, on le verra pas. Mais on verra de la flotte. Dans tous les cas, on verra de la flotte, ça, c'est clair, hein, parce que ce sera bien plus haut. Ah oui, bah... Ah oui, il y aura un lac entier à côté de nous. Alors écoute, je vais mettre... Allez. Un générateur d'algues ici. Magnifique. Un générateur d'algues ici. Ah bah non, mais c'est débile. Attends, faut pas les coller, oui, faut mettre un peu... Ou même, oh. Non mais pas aussi loin, si. Allez. Semoir de fleurs, allez, let's go. Gros, oh, on a des fleurs qui vont popper. Ah mais t'en as... Tu vas en crafter combien? Mais ça coûte quoi de crafter ça? Voilà. Et eh ben ça coûte des aubergines. Ah oui, d'accord, ça coûte que dalle. D'accord. D'accord. Bon bah on aura des algues. Bah c'est pas ça, c'est surtout on augmente la pression... La biomasse, bien vu. Ah oui. Mais non, mais ça génère des algues, mais on peut récupérer un truc sur les algues. Ouais. On peut récupérer des trucs organiques là, tu sais. Tu veux de la moule? Par exemple. Viens, on regarde si la glace elle a fondu ou pas, parce que si elle a fondu, on peut rentrer vite à la base. La glace. Ouais, la regarde ici. Ah, hein. Ah. C'est... bon... Oh. Et là mon poteau, on a pas... Qu'est-ce qu'il y a à looter là-dedans? Du soufre. Bon, on l'a déjà... Mais non, on l'a déjà fouillé ça. Mais oui. Mais du coup là on peut rentrer à la base en passant par là. Bah pas. Mais si. Ah non. Bah du coup on sort par le soufre et par le soufre on peut... Bah non en fait, non. Mais non, si, mais si, on... mais si, viens. Bah si on peut. Mais par là-bas ce serait plus rapide, tu vois, mais on peut pas encore. Ah oui. Bah oui, parce que du coup là on remonte les chocs de sable et on repasse par la grotte et... Ah oui, mais tu veux faire ça comment? C'est plus simple de faire tout le... Non, bah non, ok, oui, c'est vrai. Bah non, bien vu, c'est impossible de faire autrement. Bien vu. Oh, attends. Ah non. J'aurais cru à un petit coffre en or, mais non. Ah. T'as le seul. Tu sais, il y avait un petite grotte sous un rocher, je me suis dit, vas-y, il y a peut-être un coffre caché. Il y a peut-être moyen de moyenner. Exactement. Waouh, ah ouais, tu prends des passages... Ouais. C'est pas par là. Ouais, non, mais c'est pas par là, non. C'est par ici. Et voilà le travail. Putain, et tout ça, on le faisait à pied avant, quoi. Ah ouais. On était des ouf. Ah, j'ai plus d'oxygène. On était des Jones. On était des Baka. On était courageux. Kwaku Baka. Je suis sûr que là, le temps de rentrer... Alors, mec, par contre, faut qu'on fasse un semoir à fleurs direct. Oui. Moi, je veux voir des tulipes, tout ça... Ah non, tout. Bah... Abuse pas, hein. Ah bon? Ah oui, non, il y aura clairement pas ça. Ah, faut juste faire de l'engrais, gros, vas-y, fais-moi de l'engrais. Mais y'en a de l'engrais en plus. Non? On a de l'engrais. Ah bah voilà. Non, bah, on a trouvé, mais en faire, on peut pas, hein, ça, c'est sûr. Ok, mais on a 3 engrais, vas-y, j'y vais. T'as vu ce qu'il faut, du coup, pour faire l'engrais? Mais on a 3 engrais. Il faut des fioles. Non, je sais, non, mais pour en fabriquer, ce que je veux dire. Non. Il faut des fioles d'algues. Et c'est justement ça qu'on va récupérer sous les... Ah bah voilà, ça répond à ta question, ma petite bichette. Du coup, tu peux en faire 3, donc il te faut des bouteilles, il te faut de la bière. Attends, je te ramène. Ramène-moi à la binouze. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 1, 2. Ok, c'est bon, j'ai compris. Merci. Non. Allez, on va mettre des fleurs ici. Regarde, hop. Derrière, bah, la belle tulipe. Du coup, ça met de l'herbe et des fleurs. Bah oui. Ça me paraît cohérent. On pourrait presque enlever les T1 et mettre que des T2 par la suite. Mais... Ah ouais, le G, il est tellement plus fort. Ah ouais. Ah ouais. Bah viens ici, parce que là, y'a rien là. Oui, attends, il fallait que je récupère de la bière. Tu veux où? Maison 1, attends. Ouais, ici quelque part, tu vois. Genre là. Oh, regarde! Ah, pourquoi? Quoi? Oh, de loin elles apparaissent, quand tu t'approches elles disparaissent. Ah oui d'accord. Ce petit... J'ai dit de loin, j'ai fait oh, des fleurs! Je m'approche, il n'y a plus rien. Oui, t'es déçu. Par contre, ça... l'air pousse vite, c'est pratique. Ça c'est super. Et du coup, ça génère combien? Ça génère végétaux 6 grammes quasiment. Bah la biomasse, regarde la biomasse gros, ça augmente là. Ah ouais, on est à 33, avant on était à 12 je crois. Plus trop, mais on était pas beaucoup. Ah non, on était à 2, non on était à 2. 2 ou 3 grammes. Ça va Ludo. Là on est à 33 grammes. Oui. Et viens, on rajoute encore quelques chauffages parce que regarde, le biodôme on le débloque là. Hein. On le débloque illico là.
illico, hein. Tu veux faire quoi, des chauffages? Ouais, silicium, titane, aluminium, barre d'iridium. Let's go, je m'en occupe. Ah bah tiens, j'ai les barres. Ah oh, oui. Tiens. Pète-moi ta barre. Oh. Dirait du bonbon. J'ai envie de le lécher. Oh. Oh non, mais t'es trop chiant, toi. Mais non, mais la texture est très belle. Ah, ils ont putain. Bien fait les détails, tu vois. Tu me fumes. Vas-y. Chauffe-moi la pièce. Ah mon gars. Ah, il me faut encore une barre. Ah, t'en as, tu voulais en faire 3? Ah bah bien sûr. C'est pas grave. On a ce qu'il faut. Donc, c'était quoi du coup? C'était le biome T2, on est à 12 et on est à. Ah ouais, on est à 11. Ah ouais, bah oui, vas-y. Bah là, en plus, gros, on est à 8500, mec. On lance une fusée, on monte à. Je te jure. À beaucoup. Allez. 9000. Messieurs, dames, ah ouais, c'est bon, ça biodôme. Vite, ah, faut encore attendre un peu plus que prévu, mais finalement, nous y sommes. C'est un superbe épisode. Bah, à part si. Attends, il nous restait un moteur de fusée, non? Largement deux, même. Ah bah voilà, non, il en reste un seul. Ah mince. Qu'est-ce qu'il fallait de nouveau? Je sais plus. Un moteur, un super alliage, et c'était quoi? Du cobalt. Ouais. Voilà, 3 de cobalt, un super alliage, et... ok, vas-y. Tu vas faire décoller quoi du coup? Celle d'uranium, ça fait monter la chaleur. Uranium, ok, donc faut récupérer un, très important. Hein. Ah putain, il me manque un super alliage. Oh, tu... J'ai! Ah! Pardon. J'ai! Faut récupérer l'uranium, hein, c'est primordial. 1, 2, 3, yeehaw! Marsupilami! Ah non! C'est bon. Oui! Aïe! Ah, je me suis brisé les jambes! Ah, moi aussi. Moi, je la vois partir en. Ah non, je suis mort. Non, vraiment? J'ai trop le seum. J'ai perdu tout mon stuff. Bah, cher, hein. Mais je crois que j'ai droppé à temps. Mais t'es mort comment? T'as fait une chute de fou? Bah oui, et puis j'avais pas de nourriture. Oh putain. C'est pas mal, démerde-toi, je vais récupérer l'uranium. Oh t'inquiète, c'est bon. Oh t'as plus grand chose non sur toi? Si, mais j'ai pu dropper, t'inquiète. Ok. Ah c'est ça que j'ai vu rouler là devant? Peut-être. J'ai vu plein de trucs rouler. Peut-être. Peut-être. Ah oui. Hein. Ah je vous le dis. Ok. Oh oui, l'uranium, tout est regroupé là, c'est magnifique. Bon ben c'est bien, on a réglé le problème de nourriture, on a réglé le problème d'énergie. Franchement on est bien. Hein. Et tu peux vu où les autres se sont crashés? Oui. Bah écoute hein, et voilà. Ah let's go, go. Bah oui, en même temps on a fait plus 1000% de nouveau là avec la fusée. Tu m'étonnes. Ouais. Combien on est du coup? On a combien de pression? Regarde voir. Pas enfin, de chaleur. On était pas. À 9000. Je suis pas encore à la base. Ok, attends, je vais voir. Donc on a relancé une fusée, donc là on doit être à 9000 x 1000, ça fait combien? Et bah on est à 13600. Waouh. Ah, ça monte vite. Attends gros, faut qu'on voit un truc après. Ok, bon, on a nouveau un quasiment plein d'uranium. Et attends, j'arrive. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut qu'on regarde un truc après, mais d'abord on va faire le biodôme. T'as moyen on de le pas. Faire? On peut pas? Non, parce qu'il faut des trucs de bactéries, je crois. Non. Et il faut des cartouches de méthane. Non. Ah non, attends. Échantillon de bactéries, il faut 3 algues. Non. Et bah, ce sera pour le prochain épisode. Non. Par contre, je suis curieux, je suis désolé, mais ma curiosité. Non, mais moi aussi j'ai un truc qu'il faut qu'on. Juste avant de partir. Alors attends, ouais. C'était où nouveau ces trucs là? C'était où les trucs de tu sais, les trucs de bioplastique là? Je les ai sur moi et ça se passe en haut dans le biolab, mais tiens. On a même idée, je crois. Non? Non, je sais pas ce que tu vas faire. Bon, il m'en fallait qu'un seul, mais. Mais c'est pas grave, tu mets bah, un truc! Ok, utilisez là afin de. Ok, on aurait fait un couleur de. Hein? T'as fait quoi, gros? Mais une comment fusée là? Éclairante? Superbe. Incroyable. Mais attends, on peut la. Oh! Ah, tu peux la reprendre. Et du coup, ça me redonne. Ok, d'accord. Bah, c'est de la merde. Voilà! Allez! Ah putain, je suis mort. Mais je pense que je me suis dit, vas-y, ça va être un truc trop bien, tu vois, accroché quelque part ou un truc qui éclaire de fou. Ouais, t'as raison. Mec, c'est une vieille. Un mec, vieux truc qui craque là. On a la moitié des lacs.
Ah putain, oui. Oh, c'est impressionnant. Mais du coup, ce cratère devant nous sera pas plein d'eau en fait. Si, si, ah, oh, t'inquiète pas. Bah non, mais on est à 50 et mec, le fond, il y a même pas d'eau au fond. Ah, mais il y aura peut-être pas d'eau dans ce cratère en fait, tout simplement. Parce que non, c'est mais de la lave. Non, mais je pense que ce cratère n'est pas fait pour avoir de l'eau, je pense. De toute façon, on s'en fout, on va pas rester là longtemps. Oui, ouais. Non, mais juste, ça aurait été dommage, tu vois, que c'est. Ça aurait été bien que tout le cratère soit rempli de flottes. Oui, oui, mais laissons les fantasmes là où ils sont. Alors, je suis curieux, avant de s'en arrêter là, j'aimerais bien voir un truc avec toi. Oh. On risque d'être déçu, mais... Oh oui, bah tu sais. T'es où? Je remonte le cratère là, attends. J'ai récupéré plein d'iridium et d'uranium, maintenant qu'il n'y a plus de débris, il n'y a plus rien, on voit tout, c'est trop bien. Je suis là. Ok, viens voir. Tu sais là-bas la grotte? Ouais. Ah! Bah maintenant ça a fondu. Toi, ça là à droite, là, tu vois le gros caillou vert là? Ouais, c'est le cœur. C'est ça que tu parlais là. Ouais. C'est ça que tu parlais avant. Ouais, c'est ton cœur. Non, mais ça on peut rien en faire. C'est ton cœur, bébou. C'est dommage, on aurait pu le déconstruire et se faire un ou deux uranium en plus. On ne déconstruit pas des cœurs ici. Ah, celle-là, tu parlais? Ouais, je croyais l'autre. Non, regarde. Oh! On arrive. Oh! Regarde, Oh, mec, regarde. Dinguerie. Attends! Attends! T'es où? Je suis allé à droite. À droite ou à gauche? À droite. Ah, ouais, t'es là, ok, vas-y, je te suis. On va marcher en vrai, parce que sinon je te perds. Oh non, c'est lent. Dinguerie, ouais, mais dinguerie, ouais, mais pourquoi dinguerie? Mais parce qu'on n'est jamais allé jusque-là en fait. Oh! Ah bah voilà, on est niqué. Ah. Oh, 45! Bah attends, on a déjà 45! Viens! Ah bah oui, c'est ce qui me semblait. Ouais. Et voilà, et regarde, comment et regarde, a... et regarde, a... continue. Mec, on va où là? Mec. What? Hein? Mais c'est nul, c'est là. À part l'autre grotte, on y est aussi rapidement. Mais attends, quoi? Et ben voilà, on est déçus. Mais non, mais on n'a jamais été là. Mais si, c'est là où il y a la tempête de sable avant. Mais c'est quoi cette... au tout début, je t'avais. Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Dit, viens, on va là-bas, il y a un truc. En fait, il y avait un vieux vaisseau qu'on avait déjà fouillé. Bon, attends, viens, on retourne. Attends, moi je prends tout le smium parce que. Pour faire des. Oui, des trucs de minerais, c'est important. T'es dans la grotte? Je suis retourné marche arrière. Ouais. Alors... Il y a plein de smium à prendre là. Ouais. Bon, le soufre, on s'en fout, il y en a partout. Mais... On prend tout ce qu'on peut prendre. Mais attends, parce qu'il y a encore un autre chemin. Même plusieurs oui, chemins. On n'est pas allé à gauche. Et attends, ouais. Il y avait un coffre là, on l'ouvre ou pas? Ouais. Attends, du coup, faut qu'on repasse. C'était où? C'était là. Mais non, attends. Là, il y a un coffre. Bon, bah voilà. Bah, on est déçu. Bah, yes, allez. Et là. Donc c'était où? Ici. Mec, bah là on va arriver. Là on sait pas où on va arriver, c'est ça ce qui est cool. Là on sait, c'est vrai. Oh! Oxygène bas. Okay. Oh mec, une nouvelle partie de la map. C'est sûr. Ah tu glitches, tu... Oh y'a un gros trou là devant nous. Ah ouais mec, je sais pas c'est quoi ça, mais... Ça fout à combien ça? 45. À 32 giga TI. Oh ah. Ok, là à mon avis... Il y a un bout de map qu'on a jamais exploré parce que 32 giga TI, mec. Ah ouais. Oh putain, je sais pas ce qu'il y a, mais je te dis, c'est, ça va même être énorme. Pas... Donc attends, 32. Ah ouais, d'accord, ouais, on n'est pas du tout prêt à avoir. Il faut qu'on lance au moins beaucoup de fusées là. Ouais. Mais t'as vu ce que je veux dire en vrai? T'as vu? On va s'enfoncer dans les entrailles de la map. Ah ouais, mon gars, et le lore. Ça, j'ai pas souvenir, tu vois, par contre. Le lore. Oh. Oh. Attends, on sort où là? Hein? Bah. Mais on est où? Mais bah là où on est rentré! Ah oui, putain, ok, connard. Moi, je suis paumé. Ah, d'accord. Ah, excellent. Du coup, on a débloqué le truc T2, il faut quoi? Engrais. Oh putain, mais il faut. Oh, mais c'est pas grave ça. Il faut de l'engrais quoi, il nous faut des algues. Ça, c'est. Ça viendra par la suite. C'est pas mal. Et moi, j'ai un inventaire full de iridium, uranium et osmium. Ça, c'est bien. Très, voilà, très les coffres, bien. Mec, ils sont blindax. C'est beau. Le quartz, très, très ah ouais, l'osmium. Là, on va pouvoir faire des trucs de minerai. Hein. C'est cool. Hop, hop, hop. Très, très cool. Eh ben, je pense que là-dessus, c'est une belle conclusion. On mange, on boit, on est bien. Et tout est bien. C'est qui trop finit bien. Franchement, ne plus manquer de bouffe, c'est un régal. C'est vraiment. C'est ça. Du coup, cette aubergine, on va les laisser en aubergine parce qu'en vrai, les algues. Clairement. Après, pour le T2, il en faut plus. Donc en vrai, on a plus trop besoin du coup.
Mais bon. Ouais, mais pour le moment, si, quand même. Oh, les haricots, j'avais pas vu. Mais t'as vu ça? Gros, je t'ai fait un stock, hein. Beaucoup de champignons, on va les bouffer et on fera un autre casier de haricots. Bah, du coup, oui, là, on est bon pour ça, hein, clairement. Bon, pour l'instant, on laisse. Allez! Yeah! Oh, mais c'est notre. Mais attends, mais t'as trouvé ça où? Mais attends, mais on a même pas contemplé ce truc encore. Je l'ai trouvé avant dans un petit coffre qui traînait. Mais gros, je l'ai mais ouvert. C'est génial et... ce truc, c'est notre capsule. C'est la capsule sur laquelle on est arrivé, ouais. Incroyable. Mais si tu l'as même. Comment tu fais pour. Bah, tu l'as posé sur la table. Ah, bah d'accord, tu fais clic droit. Putain, moi je l'ai droppé en espérant qu'elle. Attends. Je suis vraiment un. Oh putain. Bon bah les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Franchement les gars, c'est le cas. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Et merci pour vos, j'allais dire astuces, mais aussi vos suppositions surtout. Hein, ça fait plaisir, donc hâte de voir la suite. Exactement. Ça régale. Voilà, on vous fait plein de bisous en tout voilà. cas. Et des gros bisous. Et voilà. Et bien ciao ciao. Salut. Oh les amateurs.